l'amitié. Texte, Wendy Médour. Illustration, Daniel Egnos. Maison d'édition, 1, 2, 3 Soleil. Tilly et Nuts viennent d'emménager au bord de la mer, dans une nouvelle maison caressée par les embruns. T'as vu, Nuts, comme c'est haut vu d'ici ? Oui ! Quand Tilly lance une balle, Nuts lui court après. Quand Tilly fait la roue, Nuts aboie. Quand Tilly lui caresse la tête, Nuts remue toujours la queue. T'es trop mignon ! Toi, je t'adore ! Est-ce que Nuts peut m'accompagner dans ma nouvelle école ? Demande Tilly. Les chiens n'ont pas le droit d'entrer dans la cour, chuchote maman. Je peux rester avec lui ? Allons, Tilly, nous serons vite de retour, assure maman en lui faisant un gros câlin. Oh maman, s'il te plaît ! En classe, rien n'est pareil sans Nuts. J'ai tout fini mon dessin. Tilly, on se concentre, s'il te plaît. Dans la cour, Tilly joue toute seule. Hé, vas-y Alexandre, passe la balle. Tu devrais aller t'asseoir sur le banc de l'amitié, dit le maître. C'est là que les enfants se font de nouveaux amis. Mais le banc de l'amitié est à l'autre bout de la cour de récréation. Et le temps d'y arriver... Il est déjà occupé. T'as déjà joué avec un cerceau ? Je peux jouer avec vous à la marelle. Alors, as-tu essayé le banc de l'amitié ? Demande le maître. Je n'ai pas pu, dit Tilly. Quelqu'un était déjà assis dessus. Essaie encore, insiste le maître en souriant. Bon, d'accord. Alors Tilly retourne près du banc. Mais le garçon est toujours là. Le garçon regarde le ciel. Tilly regarde ses chaussures. Le garçon regarde une mouette. Tilly regarde l'herbe. Ça ne marche pas, soupire Tilly. Peut-être qu'il est cassé, dit le garçon. Je suis assis là depuis très longtemps. Cassé ? Dit Tilly. On pourrait le réparer avec des branches, des coquillages et du sable magique. Le garçon est tout sourire. Je m'appelle Max, dit-il en courant chercher des branches. Moi, c'est Tilly. Réparons ce vieux banc. Il est magnifique ! S'exclame Tilly. Oui ! S'écrie Max. C'est notre banc de l'amitié. Après l'école, maman et Tilly se promènent sur la plage avant de rentrer à la maison. As-tu passé une bonne journée ? Demande maman. Oui ! Répond Tilly. Mais comme le banc de l'amitié était tout cassé, on a dû le réparer. C'est quoi un banc de l'amitié ? Demande maman. C'est un banc très spécial qui permet de se faire de nouveaux amis. Avec Max, nous l'avons réparé. Qui est Max ? Demande maman. C'est un garçon de ma classe, répond Tilly. Il a un chien tout poilu qui s'appelle Oscar. Il adore les glaces, les balades sur la plage et il aimerait bien rencontrer Nuts. Oh, on dirait que Max est ton nouvel ami. Quelle bonne idée d'avoir réparé ensemble le banc de l'amitié. Oh oui, s'exclame Tilly. Tu crois que Nuts et Oscar vont bien s'entendre? On verra, ma chérie, on verra. Quand tu fais l'effort d'aller vers les autres, c'est plus facile de se faire des amis. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air
et nous écrire un joli commentaire. À très vite, les amis.